oui, un accident de plus. Et le porion de sécurité qui s'en va tête basse rendre compte au service d'accueil. Service largement ouvert à tous les mineurs pour les recevoir, les documenter, les guider. Service dont le préposé a également pour mission d'accueillir parfois les gens plus fraîchement et de leur laver la tête. Une fois de plus, il s'agit d'un accident stupide. Voyez vous-même. Un wagonnet a déraillé. Pour le remettre sur rail, il faut d'abord faire de la place en reculant les autres. Très bien. Mais c'est ici que la bêtise commence. Ramasser des cailloux pour caler une roue. Vous devinez la suite. Cet homme pourtant n'est pas un novice. Comme sa fiche l'indique, il y a un an qu'il travaille ici et plus de 6 mois qu'il est affecté au même boulot. Alors, mais ceci est encore plus fort. Pas plus tard qu'hier, le porion de sécurité le trouvait en train de commettre la même imprudence. Il l'avait immédiatement rappelé à l'ordre en lui prouvant qu'il était infiniment plus facile et moins dangereux d'utiliser un oreilloir métallique. Il paraît qu'il avait compris. Et un nouveau point noir vient de s'inscrire. Un nouveau point noir au dossier. Et pourtant, cet employé a le droit de songer qu'il fait tout son possible pour persuader les mineurs de ne pas confondre le courage et l'imprudence. D'ailleurs, la revue Chez nous s'évertue elle aussi à répandre les principes les plus utiles. Le porion de sécurité est une fois de plus déçu. Il a beau se multiplier, distribuer les conseils ou même les menaces. Il descend à tous les postes, visite tous les chantiers, tous les locaux du charbonnage. Malgré tout ça, des hommes continuent à payer très cher et trop souvent leur négligence ou leur insouciante témérité. Ce Dictus court, court pour la rattraper là. Et il parvient, il centre de nouveau la balle, touche la tête de Bakart, arrive à Huysmans qui est à 30 mètres, à 25 mètres. Huysmans shoot dans un paquet de joueurs et la balle passe à côté des buts, défendu par Lebon. Toujours 3 buts à 3. Dégagement de Lebon vers le centre du terrain. La balle... Tout seul tracasse. Il ne serait pas fâché d'en parler à ses camarades. Mais à quoi bon? Pour eux, en ce moment, il n'y a qu'une chose qui compte. Le football et Luc Varenne. Luc Varenne. Il vous amuse, celui-là, parce qu'il vous parle de football. Mais je me demande quelle tête il ferait si un jour, il devait faire un reportage sur la mine. Un reportage sur la mine? Mais pourquoi pas? Le travail du mineur, je sais que c'est du grand, du tout grand sport. Moi, je veux bien vous accompagner. En route, je vous suis. Tiens, tiens, je le reconnais, celui-là. C'est Jim Levier, le gardien de but de Monceau-Fontaine. Dis donc, comment ça va? Oh non, vraiment, comme ça, tu as l'air minable dans ton goal. Tu veux sans doute qu'on te photographie pour les journaux. Ah non, tu ne veux pas? Mais entre nous, il n'est pas mieux équipé au travail. Non, vraiment, mon vieux, ce n'est pas très fameux. Tu travailles les mains nues. J'ai presque envie de te dire que tu es fagoté à l'as de pique. Et tu vas dans la mine avec des pantoufles de tennis. On aura tout vu, mon bonhomme. Ah, ça, c'est de la chaussure. Pour le football, après tout, il ne te manque rien. Là, tu es absolument impeccable. Tes pieds, tes genoux, tes mains, tout est bien protégé. Bravo, te voilà équipé, mon vieux, comme un authentique diable rouge. Oui, et dans la mine, il travaille les mains nues, alors que la moitié des accidents entraînent des blessures aux mains. Alors, pourquoi ne pas les protéger avec des moufles qu'on lui donne?
Un quart des accidents se traduisent par des blessures aux pieds. La meilleure façon de les éviter est de porter de solides bottines renforcées par des bouts d'acier. Là, notre ami prend son marteau-piqueur au guichet de l'outillage. Seulement, il oublie l'essentiel. La protection de la pointe. Ben, mon vieux, t'as pas l'air en forme. Bonne journée quand même. Ce porion de sécurité qui marche en tête, ce porion de sécurité, eh bien, c'est la bête noire de certains mineurs. Une bête noire qui, en réalité, est tout simplement un ange gardien. Un ange gardien un peu rude, parfois, mais tellement vigilant. Eh oui, il faut fouiller. Il y a des gens qui ne se gêneraient pas pour amener des allumettes dans le fond de la mine. Tiens, encore un qui avait oublié son protège-pointe. Décidément. Le porion de sécurité s'embarque le dernier. Vous voyez l'importance de son rôle de chien de berger. Je vois. Et il faut pas qu'on se bouscule là-dedans. Ici, c'est le cas de le dire. Tout le monde descend. Terminus. Ah non, mon vieux, assieds-toi, fais comme tout le monde. Laisse faire le préposé à la barrière. Il est là pour ça. Voilà, tout est si simple quand on veut bien d'abord y mettre de l'ordre. Par cette avenue étrange, peuplée d'une éternelle nuit, les hommes du fond vont vers leur inlassable combat avec l'ombre. Une avenue qui pourrait porter la plaque altitude moins 800. Est-ce que ce gaillard a le droit de rester debout sur le butoir de la locomotive? Mais certainement pas. D'ailleurs, Michaud l'a vu. Tout de même, il faut le menacer d'une punition pour qu'il se décide à descendre de là. En se faisant prier encore. À monter dans un wagonnet. Et finalement, à s'asseoir, comme les autres. Ces hommes téméraires me font penser dans leur travail à certains joueurs de football qui, pour montrer qu'ils n'ont pas peur, s'amusent à prendre des risques inutiles. Et le porion de sécurité, c'est l'arbitre. L'arbitre qui force ces joueurs trop audacieux à se souvenir de la prudence. Un très bon arbitre, même penalty. Il a vu la faute que cet homme allait commettre, passer entre deux wagonnets au risque d'être écrabouillé, tout de même. En effet, il faut toujours passer au-dessus du wagonnet. D'ailleurs, on le rappelle souvent. Et accorde à toutes les langues. Dans un chantier, il faut veiller autant à la sécurité qu'à la production. Le danger invisible est-il là? Ce danger invisible qu'on appelle grisou. Invisible. Le porion Michaud, d'un œil extraordinairement exercé, scrute la flamme de sa lampe de détection. Non, il n'y a pas de grisou. Viens donc voir là, dans le toit. Une fissure inquiétante. Tu vas placer un étançon, là. Exactement là. Remarquez d'ailleurs qu'auparavant, l'étançon y était. Mais sans se soucier autrement des chutes de pierre, cet abatteur l'avait enlevé pour faciliter son travail de pelletage.
Voilà qui est rétabli. Mais mal, très mal rétabli. Reviens par ici, mon ami. Ton étançon doit être perpendiculaire au toit et au mur. Tu en veux la preuve? Ben la voilà. Un et deux. Un étançon doit toujours être placé sur le bon pendage. Il faut le chasser vigoureusement pour faire échec à cette menace. Ton soutènement n'est pas encore correct. Viens voir. Il faut encore placer un coin. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels on insiste le plus auprès des moniteurs chargés de former des ouvriers à peine. Ces moniteurs, choisis parmi les travailleurs les plus expérimentés, reçoivent une formation spéciale, la formation TWI, qui leur permet de transmettre leurs connaissances aux moins avertis. Sous la conduite d'un ingénieur instructeur, ils apprennent les quatre principes de base de l'art de former le personnel. D'abord, la préparation, qui consiste surtout à mettre le nouveau bien à l'aise, en confiance, et puis la présentation, qui consiste à faire ressortir le point clé de chaque phase importante d'une opération. Et dans la taille-école, qui les met déjà dans l'ambiance de la mine, les débutants passeront aux essais d'exécution, guidés par les moniteurs qui les amèneront progressivement à la mise en route. Et l'apprenti sera finalement livré à lui-même, mais encore très souvent contrôlé. Si dans la mine, le travailleur peut acquérir le bon style, c'est parce que le TWI a formé des moniteurs capables d'enseigner l'art de travailler avec exactitude. Une exactitude de geste qui sera pour l'homme dans la mine la plus efficace protection. Je crois que revoilà votre gardien de but. Oui, mais je dois siffler un nouveau pénalty contre lui. Et même deux. Il n'a pas ses gants et il n'a même pas mis son casque. Oh là là, quel type celui-là! Et le comble, c'est qu'il a même omis de placer un avant-bras pour soutenir sa sclimbe. Alors que manifestement, il n'a pas pris la précaution élémentaire d'ausculter le toit. Pour voir s'il est solide. Ben heureusement, tout ça aurait pu dégringoler sur la tête de mon brave gardien de but. Le porion tourne le dos. Aussitôt, l'homme croit très malin de jeter son avant-bras. Indiscipline? Non. Inconscience, plutôt. C'est fou ce qu'il faut le surveiller de près, celui-là. Il commet des imprudences. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend comme risques inutiles? C'est comme si au football, il préférait recevoir des coups de pied que d'attraper le ballon. Entre les coups de pied dans le dos et le ballon, moi je vous le dis, j'hésiterai pas, je prendrai le ballon. Ces porions qui guident les mineurs ont le droit d'être écoutés. Ce droit, les porions l'ont acquis en suivant des cours vraiment complets. Ici, on détaille précisément au tableau la meilleure façon de placer un avant-bois. Premièrement, une sclimbe en porte-à-faux ne soutient évidemment rien du tout. Deuxièmement, si la sclimbe est posée sur la belle et potelée dans du charbon tendre, c'est insuffisant. Troisièmement, il faut soutenir la sclimbe par un avant-bois placé du côté des fronts. Ceci est très important. En effet, tous les abatteurs, soit 25% du personnel, sont appelés à effectuer cette opération. Et beaucoup la font très mal. Tous doivent également savoir que cet avant-bois doit être enlevé après le placement de la belle. Si on l'oublie, la sclame va inévitablement se briser. Qu'on vérifie la solidité d'un toit dans la mine à la maison. Vous n'aimeriez pas rester sous un plafond qui menace de s'écrouler? Un plafond en très mauvais état, mais il vaut mieux le faire tomber maintenant que de lui laisser le choix de s'écrouler n'importe quand. Une menace hypocrite. C'est pourquoi il faut toujours ausculter les terrains, que ce soit dans la taille, sur une devanture de voie ou bien à front d'un bouveau.
un excellent travailleur qui est tellement préoccupé par l'abattage du charbon qu'il en oublie tout à fait le soutenu. Enfin, voyons, il fallait placer là des belles métalliques, mon vieux. Exactement comme on l'explique au TWI à l'aide de belles métalliques en miniature. Il faut placer le pivot d'abord. La clavette s'enfonce. La belle métallique se soulève et colle parfaitement au toit. En reconstituant très exactement cette même opération dans la mine, vous assurez l'essentiel de votre propre sécurité. Vous protéger sous un toit solide, c'est évidemment l'ABC de la prévoyance. Voici au TWI le détail du travail de foudroyage. Travail qui consiste à enlever pour les récupérer les étançons et les belles métalliques et à provoquer la chute du toit. Ce travail doit s'effectuer avec précaution. Il faut utiliser le marteau à long manche, des chaînes, des palans, de manière à ne pas être obligé de s'aventurer sous les éboulis. Il y a la manière de retirer du matériel amené par le Panzer. Empoignée par l'avant, cette belle se brise et risque de vous transpercer. Mais attendez tout à votre aise la belle qui arrive. Penchez-vous calmement. Empoignez-la par l'arrière. Voilà du travail intelligent et sans danger. Et ici alors, on peut travailler les mains nues? Non, évidemment, il faut mettre des gants. L'homme qui travaille les mains nues s'expose évidemment à... Ben, tenez, à ceci. Alors que si chacun voulait être raisonnable... Ici, le câble ne se déroule pas normalement. Le frein doit être mal réglé. Le machiniste du treuil intervient. Et voilà, c'est vite arrangé. Le préposé au transport par treuil peut dérouler son câble jusqu'à la rame de wagonnet. Et l'accrocher. Sans se soucier de rien. Oh, mais il se soucie même de vraiment peu de choses puisqu'il vient de mettre le pied dans une boucle du câble. Eh oui, le piège était là, il ne l'a pas vu. Il sonne les quatre coups. Le machiniste met son treuil en marche. Le câble se tend. La boucle se resserre. Et le piège fonctionne. Heureusement, l'accident a eu un témoin qui bondit et qui va sonner aussitôt, du moins je l'espère, pour faire arrêter le treuil. Ah oui, il sonne. Mais que se passe-t-il? Le cordon est coincé, la sonnette ne fonctionne plus. Le machiniste ne se doute de rien. Son treuil tourne. Et les appels demeurent sans écho. On démêle cette affaire devant le comité de sécurité. Et comme par hasard, le mineur italien s'explique avec les mains. Oui, bien sûr. Deux causes à cet accident. Une cause d'ordre matériel. Le cordon de la sonnette était mal fixé par un fil de fer au lieu d'être suspendu par une chaînette. Et une cause humaine. La distraction de la victime qui a mis le pied dans le piège
c'est-à-dire dans la boucle du câble. Et surtout, ne me dites pas que ça devait arriver. Non. Au contraire, cela ne pouvait pas arriver. Si chacun a porté le maximum d'attention dans tous ses gestes. Le danger, c'est précisément que tous ces gestes sont quotidiens. Et un geste quotidien devient vite machinal et irréfléchi. Songez que les faux mouvements coûtent cher dans la mine. Ce jeune Italien fait ses débuts comme machiniste de local tracteur. Il a reçu tous les enseignements concernant la bonne méthode de décrochage. Et pourtant, le voilà qui avance la tête entre deux wagonnets. La bonne manière est cependant bien simple. Cette main ici, sur le bord du wagonnet, la tête placée là, contre le coffre. Avec l'index, soulevez le bec du crochet. Compris? Je vois que c'est dans des cas semblables qu'on sermonne les imprudents dans leur propre intérêt. C'est tout de même désolant, cette obstination de certains hommes à ne pas veiller sur eux-mêmes. Apparemment, les précieux conseils de la revue du charbonnage ne lui ont rien appris. Mais il n'y a pas que les novices qui commettent de lourdes fautes, mais aussi parfois les anciens, même les plus expérimentés, les plus adroits d'entre nous. Ainsi, ce machiniste est l'un des plus habiles du charbonnage. Il est très sûr de ses gestes, trop sûr de ses gestes. Voyez comme il évolue en virtuose. Eh bien, ce virtuose va jouer un jeu dangereux et compliquer une chose simple. Il met sa loco en marche trop tôt et l'abandonne pour aller placer le feu rouge à l'arrière et l'enrayoir. Ah oui, franchement, c'est un jeu dangereux, ça. Surtout si, en sens inverse, s'il y a une protection métallique sur un treuil, c'est tout simplement parce qu'il en faut une. Et bien sûr, pour régler le frein, tu dois l'enlever, cette protection. Mais en partant sans la replacer, tu commets une faute. Et une faute qu'un autre va payer. À cause de son erreur, le responsable devra retourner faire un stage à l'école des ajusteurs. En football, il y a l'école des juniors. C'est fou, au fond, ce que la mine ressemble à un grand club de football. On fait tout pour apprendre aux hommes la technique, le skill, et tout. Et puis en pratique, dans le match du fond de la mine, ils en oublient les trois quarts. Ce train de wagonnet va achever son périple. Il arrive à l'envoyage où il vient d'être amené par un locotracteur. Et là, ce bras va se coincer entre le support et la roue, ça y est. Je l'avais dit, heureusement qu'on l'a vu à temps. Ces surveillants n'ont jamais la paix. Et je parie qu'on leur en veut encore parfois. Et vous voyez, on a encore la patience de lui expliquer en détail toute la manœuvre telle qu'elle doit se faire. Il faut effectuer cette opération de décrochage à la sortie des antiques laboureurs. Ça va de soi, d'ailleurs.
Les mouvements habituels des cages sont commandés par un code de signaux sonores, mais en ce qui concerne les manœuvres spéciales, il vaut infiniment mieux diriger les opérations par téléphone. Oui, ainsi, il n'y a pas de malentendu. Maintenant, l'heure approche où les travailleurs du fond vont enfin revoir la lumière du jour. L'heure approche de la fin du travail. Mais alors j'espère que c'est l'heure aussi de la fin des imprudents. Oh non. Tenez, ce marteau piqueur. Ce marteau piqueur lancé dans un couloir pourrait, dans sa course brutale, blesser un homme. Un défilé d'hommes qui tous ont fameusement bien gagné le repos qui les attend là-haut. Mais ce gaillard trop pressé emprunte un chemin interdit. Il va arriver, mais fort mal. Au cours d'une de leurs réunions, l'ingénieur de sécurité et ses porions constatent ensemble, pour la millième fois, une vérité évidente. Il y a des hommes qui, pour gagner une seconde, semblent prêts à perdre une jambe. Le jour où on pourra enfin leur faire comprendre la sottise de ce calcul, il y aura 10 fois moins d'accidents. Tiens, revoilà mon gardien de but. Eh oui, mon vieux, revoilà pénalty. Eh là, mais tu oublies ta lampe. Qui va encore me fabriquer? Souvent pas qu'on est chargé. Allez, descends de là. J'en ai eu des ennuis avec mon gardien de but. Quel match, mes enfants. Il est vrai, et je l'espère, que ce sont les dernières minutes. Eh oui, cette fois nous approchons du terme d'une vraie journée d'homme, comme toutes les journées de la mine. Oui, oui, vous avez bien raison de le rembarrer. Allez, mon vieux, comme tout le monde au bout de la file. Pas la peine de râler. Au bout, ben, il est dur alors. C'est pourtant inscrit en toutes lettres, non? Les joueurs doivent quitter le terrain en bon ordre. Allez, au vestiaire. Tout le monde en voiture. Ou plutôt en cage. Ce coup, mon vieux, rien à faire, encore pénalty. Et cette pointe qui dépasse, attention, voyons. Alors quoi, ça y est? On peut partir? Bon. Ça y est, on part, on est parti. Mon Dieu, cette pelle! Merci pour celui qui a failli la recevoir sur le crâne!
Évidemment, c'est justement mon gardien de but qui se trouvait là. J'ai l'impression qu'il sait se défendre. Pour une fois, tu as raison, mon gars. Les portes de la nuit viennent de se refermer derrière toi. Tu es là. Et tu as bien gagné ta lumière. Tu retrouves la route au grand air, la route au grand jour. Et tu retrouves tes enfants à qui tu demandes certainement « Avez-vous été bien sage ?» Mais entre nous, sincèrement, d'homme à homme, que pourrais-tu leur répondre si eux te demandaient à leur tour ? Et toi, est-ce que tu as été prudent ?